méchant. Autrefois, le rat des villes invita le rat des champs. D'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve à midi. Je laisse à penser la vie qu'a fait ses deux amis. Le régal fut forné. Rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de l'hôtel, ils entendirent du bruit. Le roi des villes t'attend. Mon camarade te suit. Son lentichet. Je mange tout à loisir. Adieu donc, Philippe et Philippe. Je l'attends, il est grand. Il faut partir avec moi. Mais c'est un drame. Mais non. Bon, action. Le rat de ville, le rat des champs. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs. Une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve à mille. Je laisse à penser la vie que tirent ses deux amis. Le régal fut fort donné. Rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le roi des villes t'attend. Mon camarade me suit. Le bruit cesse. On se retire. Rends compagnie aussitôt. Et le site attend de dire « Achevons de notre rôle ». C'est assez. Dis le rustique. N'est pas que je me prie que de repousser dans moi. Mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir. Que la crainte me corrompe. Jean de La Fontaine. Le vieil ours et le docteur loup-garou. Un loup-garou diplômé avait la bonne idée de se faire docteur spécialiste en toutes sortes de peurs. Dès que quelqu'un n'avait plus peur de rien, se sentait trop habitué aux horreurs de la vie, il appelait le fameux médecin qui aussitôt accourait brandissant à la main. Bon, action. Le vieil ours et le docteur loup-garou. Un loup-garou diplômé avait la bonne idée de se faire docteur spécialisé en toutes sortes de peurs. Dès que quelqu'un n'avait plus peur de rien, se sentait trop habitué aux horreurs de la vie, il s'appelait le docteur loup-garou. J'arrive, vous administrer. Brandissant à la main. Frayeur et terreur en assassin. Sur le coup des 3h33, un vieil ours ainsi le supplia. Allô, docteur loup-garou, dépêchez-vous. Je n'ai plus peur ni du tonnerre, ni des éclairs. Je sens que mon cœur se change en pierre. Le cas est grave, fit le vieil docteur. J'arrive à vous administrer 3 doses de films d'horreur. Le loup débarqua tout en l'air. Hurlant comme les vents polaires. Lorsqu'il ouvrit sa queue de loup-garou, l'ours fut guéri sur le coup.